Salut à tous, c'est Mato. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Call of Duty en mode campagne. Alors là, on va faire l'usine de la mort. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait un mode campagne en vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous en faire un. Donc l'usine de la mort, allez, c'est Après parti. Aix-la-Chapelle, plus rien ne sera pareil. Mais nous avons fini par mettre un pied en Allemagne. Le passage vers le Rhin est ouvert et il n'est pas question de reculer. Pour aucun d'entre nous. Go! Difficulté, commando, et go go go. Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Qui a dit que c'était une opération de sauvetage? On pensait avoir le temps, mon colonel. La dernière nouvelle, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre les décisions? Non, mon colonel, c'était mes ordres, c'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. Ça fait déjà 3 semaines. On rase la forêt de Hürtgen pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis 3 semaines à lire ta lettre, et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Hé, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow! Hé! Hey, c'est génial, mon gars. Incroyable. Daniel va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. J'ai pas de café, moi. Oh que si. Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général. Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. Hürtgen est sombre et presque impénétrable. Notre mission, prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir Parfait. D'abord. Alors maintenant, préparez-vous. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Allez, go. J'ai quoi comme arme? J'ai ça et ça. Prendre un repas? Merci beaucoup. Les hauts postes qui surplombent la vallée. D'accord. Soldat, il y a mon soldat qui a faim. On y va. Bonjour. Personne qui en veut ici. Elle est là. Avec je l'ai pas vu lui. Chef. Premier choix, hein. Je l'avais pas vu. Ces canons tirent sans relâche. Ça n'arrête pas. Il paraît que vous partez à l'assaut aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. Bonne chance à vous. Merci. J'arrive patron, j'étais voir. Je peux pas courir, désolé les gars, mais je peux sauter. Je peux me coucher. Par terre, non. Bon, notre objectif est d'éliminer les pièces d'artillerie au sommet de cette colline pour prendre la forêt. Première étape, retrouver la deuxième section à la rivière avant de se mettre en route. Quel genre de résistance on va s'attendre? Une résistance forte.
Bon, arrête pas de changer de main. On va les aider à le sécuriser. D'accord, on va les aider. Davis a rassemblé le plus gros convoi de blindés du monde, par parole. C'est quoi lui? Arrête de bouger. Aider à sécuriser le pont sur la ligne de front, ok. C'est pour ça qu'on doit les protéger et faire taire ces canons. Allons-y, allons-y. Pour embrasser son cul gelé. Bon, j'ai fait une erreur là. Mon arme elle est où là? Ah ça y est, elle est là. Cherche ça après. Hop, une mine. Allez, on tient nos positions. On tire. Sorte la brume. Mettez-vous à couvert. À mon poste de défense, donnez vos positions. Allez, on tient nos positions. On tire, on tire. Allez, allez, là, on tire de partout ici. Je peux pas abattre tout le monde les gars, je peux pas abattre tout le monde. Allez, on tire, on tire, on tire. Allez, on se soigne, on se soigne. Beaucoup de blessés là, j'ai beaucoup de blessés. Je vais plutôt de l'autre côté. Allez avec moi lui. Je suis trop loin là, faut que j'avance moi. Hors de question que lui tire, il était en roquette. Cherchez des mines, des grenades, tout ce que vous pouvez trouver. Affirmatif. Eh ben, il me fait défoncer là. Allez, allez, allez. On meurt pas les gars. Plus de balles, j'ai plus de balles les gars. Allez, allez, allez. Daniels, essaie de trouver un Panzer Shrike. Ah ben je passe par où?
T'es marrant, toi. Aïe 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 aïe, je peux aller comment moi? Oh là là, je me fais sodomiser. Ah, voilà, c'est pas le chercher. Ils sont où hein? J'ai plus de munitions aussi, je vais aller voir qui. Il est où monsieur munition? Monsieur munition, t'es où? Il faut de la santé aussi. Balance-la! Allez, on se soigne. Comme ça, je repompe. Je le cherche. Cherchez des armes sur les cadavres. L'ennemi fait mouvement. Oh non. J'ai tiré sur le poteau qui était devant moi, la honte. Je dirais sur le seul poteau qu'il y avait devant moi. Il était là le lanceur tout à l'heure. Défendez. Je tire dans le bas parce qu'elle se couche souvent. Plein d'ennemis! Hunter, on approche! Hunter! Cherchez des mines, des grenades, tout ce que vous pouvez trouver! Affirmatif! Je me fais démonter les gars. Elle est chaude cette mission là. Et où monsieur munition là, je trouve pas. Cherchez des armes sur les cadavres. Cherche monsieur munition mais je vois pas. Ah là là, il est où lui? Ah ouais, je cherchais mais je trouve pas. Allez, on recommence. On va venir par y arriver les gars. Oh là 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 là. Oh, je les ai pas vus. Oh là 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 là, là c'est pas possible. Oh. J'ai 10 balles dans la tête là. C'est mal ça. Allez, on trouve un. Il est où le char? Allez, prends-la. Une heure pour prendre. Il est où le char là? Cherchez des armes sur le cadavre! Bon boulot, Daniel! Il est presque à chaise! Ah, mais pour ça, faut que j'aurai un peu de vie là. C'est bon, un char en moins. J'ai bien un peu de vie, moi. Un peu de vie, ça serait bien. Voilà. Ah. Oui, j'arrive. Je suis là, chef. Je suis là. On va se séparer en deux équipes. Pearson, vous ferez route vers la colline au nord. Je suivrai la rivière avec une escouade pour vous couvrir. Rassemblement au pied de la colline 493. Alors, voyons. Hey, tu fais gaffe à toi. Ouais, hein. Toi aussi. Prends tes munitions, Daniel. J'espère qu'on va pas regretter de s'être séparés. Si les Boches traversent la rivière, ils risquent de faire échouer la mission. Voilà pourquoi on doit couvrir le flanc de Pearson. On est encore loin du point de rassemblement, chef. On atteindra bientôt la base de la colline 493.
On doit juste suivre la rivière. Allez, allez. Hop. Je suis pas allé loin que ça, je vous le dis. Baissez-vous. Ça va pas être simple de les neutraliser. Prenons les arvers, mais attention à pas vous faire repérer. Ah ouais, mais je les ai mis une par où. Daniels, baisse-toi. Que ok, faut être discret, hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. Repéré ou quoi? Ça fait repérer. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. On va la jouer autrement. Je vais mourir. Je sais pas les gars, je vais mourir, j'ai plus de vie. Bah, je vous l'avais dit que j'allais mourir, je vous l'avais dit. Je me suis fait repérer dès le début. C'était sûr. Donc, je sais pas comment on va faire. Ça va pas être simple de les neutraliser. Prenons les arvers. On va essayer, d'accord. Yo lui, c'est lui. J'aime bien le snipe. Oh, tire d'où lui? Je sais pas d'où il me tire. Il est où le prochain? Là-bas. Oh! Ah, oh, oh, oh! Je trouve pas les gars, je trouve pas. C'est pas ça que je veux, c'est de la vie. Je veux pas aller loin, j'ai plus de vie là. Il me faut des munitions, chef. Je te couvre. Ah ouais, j'avais plus de vie. Une balle, j'étais mort, c'était sûr. Alors, on recommence. Il me faut des munitions, chef. Il faut plus de munitions, chef! Tiens, Daniels! Je donne pas d'armes à part. Pour le snipe. J'ai rien d'autre à part ça. Non mais moi je veux pas ça. Oh. Ouf. Où ça pique. On s'est fait repérer. Volez. Vite. Vite. J'ai pas envie de mourir. J'ai la refaire faite celle-là. Oh là 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 là, ça saute dans tous les sens là. On voit que c'est un jeu vidéo, sinon je serais déjà mort.
Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Oula. Aïe, 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 aïe. Je savais que j'allais te toucher. Je le savais. Debout, Red. Je te connais mieux que personne, donc je sais que tu peux encore te battre. Tu peux pas abandonner. Ni maintenant, ni jamais. Hall ? Les Boches peuvent surgir n'importe quand. Alors relève-toi et montre-moi ce dont tu es capable. J'ai trop peur. J'y arrive pas. Tu le dois, Red. Hazel et ton petit ont besoin de toi. Relève-toi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. T'es pas du genre à baisser les bras. Moi, je crois en toi, petit frère. Paul. 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 Rejoins-moi à la maison, petit frère. J'arrive. Oh, il est mort, lui. Briggs. Il y a une branche d'arbre. Il y a une branche d'arbre dans la gorge. Pas mal, j'ai déjà une arme. Je dois trouver le point de ralliement. Bah lui, il est pendu. Je cherche le point de ralliement, les gars. Oh merde! Tu vas pas me faire chier, je te le dis. Ok. Je dois rester caché. Il y en a, ils sont là. Oula. Restons cachés, les gars. Caché. Je suis caché. Courez. J'ai couru les gars. Oh. Est-ce que vous avez été alerté ou pas? Ouais, vous avez été alerté. Ça va être chaud de survivre les gars, ça va être chaud. Moi c'est mort. Je suis mort d'avance. C'est mort d'avance, je vais mourir les gars. On va le casse-pipe. Courez. On va au casse-pipe. Oh, je peux pas aller par là. Courez. C'est par où je dois aller. Bon, je suis passé là. Ah, ça y est, je peux aller là. Comment j'ouvre la porte aussi? Alors, comment je fais pour ouvrir cette porte? Je veux bien, mais je sais pas par où je dois ouvrir. Ah, ça y est. Bien compris. Ça y est. J'ai bien fait d'aller au casse-pipe alors. Hein. J'ai couru comme une esclave. Courez. Il est prêt pour servir d'ouvrage de défense. Les Boches ont dû l'abandonner. Vous pensez qu'ils vont revenir? Pas de sitôt, j'espère. Tu vois des gars à nous dehors? Non, monsieur. J'espère qu'ils ont pu atteindre le point de rassemblement. J'espère aussi. Les
Écoute. De l'eau. La rivière doit être tout près. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri de l'artillerie. J'espère aussi. Pour les soutenir, t'en fais pas. Voilà la rivière. Il n'y a plus qu'à la suivre pour rejoindre le point de ralliement. Et réduire au silence ces canons. Tireur isolé. Oh. Et là-haut, dans ce bunker. On doit le déloger. Mmh. Planque-toi. Oh là là, il m'a fait mal. Je me planque, il est passé par où lui? Oh! Il me fait mal en plus! Allez, go! Putain! Punaise, pardon! Il m'a fait mal! Baisse-toi! C'est un des nôtres! Vas-y, les flancs! Essaie de voir si on peut l'atteindre! Je ne peux plus marcher. On va essayer d'arriver les gars, on va essayer. On doit se dépêcher. Bah ouais, comment tu veux que je le rattrape? J'aurais peut-être pas dû aller le sauver, aller buter le gars d'abord. C'est un des nôtres. Sortis les flancs. Essaie de voir si on peut l'atteindre. En tout cas le gars il arrête pas. Oh! Tiens le coup! On va l'avoir! On doit se dépêcher! Bah ouais, comment veux-tu que je fais là? Il met une balle direct, t'es mort! Direct! C'est un des nôtres! Vérifie les flancs! Hein? Essaie de voir si on peut l'atteindre! Ah, il tire de là! Je peux plus marcher! Prêt? On va te mettre à l'abri! Tiens le coup! On va l'avoir! On doit se dépêcher! On va lui tomber dessus! Oh là 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 là! Ça fait mal! Il est pas seul! Je vais pas survivre moi! Impossible que je survive les gars! Ah si, c'est bon! Elle est où la mitraillette? On va aller tranquille. Tranquille, pépère. On va pas s'enflammer. Crois quoi, toi? C'est bien qu'il était caché derrière une porte, lui. Alors, lui est mort. Maintenant, on peut descendre tranquille. Et j'espère. On peut pas trop faire le fou. La zone est nettoyée. Oui. Ce soldat aurait pas dû mourir. En avant. Non, mais c'est la vie, hein. T'as la guerre comme à la guerre. Écoute, nos âmes sont pas loin. Allons-y. Je reste là, au moins je peux sniper tranquille. Moi je peux sniper tranquille d'ici. Plus de vie déjà.
Surtout. Deux balles, direct. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Tiens, Daniel. J'ai besoin de vie, surtout, les gars. Toi, sors-moi ta petite tête là. Comment il s'est caché là? Je le vois, j'attends qu'il sort. Tire d'où lui? Oh voilà, une balle. Putain, j'ai fait tout le travail tout à l'heure. Et là je me prends une balle, je suis mort direct. On recommence. Je vais tout nettoyer ce côté là déjà. Alors, j'arrive pas à l'avoir. Voilà. Allez, on reste concentré. Bien compris. Allez, on reste concentré. On les bousille tous, ça paraît. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, les gars. Pas couché, toi. Voilà, reste couché. Et on va te tuer tout de suite, tu m'énerve. Oh, côté. Toujours pas mort. Yo lui. Bon, tu m'énerves. C'est fini. Personne. Vas-y, t'es où Je sais, chef. Tiens, Daniel. Je peux lui tirer. Wow. Allez. On va se concentrer parce que j'ai plus de vie, les gars. Ouais. Allez, on reste concentrer. Faut qu'on les tue. Oh, je l'ai vu, mais trop tard. Aïe. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Voilà, hop, là je sais où il est. Là, comme ça, lui est terminé, on recommence. Premier étage de la série. Voilà, deux. Oh là là. Ah, plus de batterie. Je vais avoir assez pour tenir la partie. C'est lui là que je vais bouger. J'ai pas envie de la recommencer 20 fois. C'est là qu'il faut que je fasse attention. Allez, plus vite là.
Ah, punaise, à chaque fois, il manque pas grand-chose. Chef, des munitions! Voilà, soldat. Là, ça c'est fait. Allez, 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 on y croit. Je regarde, hein, mais... pas toujours le voir. Ah, je suis mort, laisse tomber. Oh là là, ça va être chaud, il me reste plus grand chose en vie. Je peux pas bouger de place que ici. Oui, ici peut-être. Allez, on y croit, les gars. Les yeux et les oreilles. Vite. Des grenades et des fumigènes, Daniel. Vite, donnez-moi. Envoie-moi ça. Attrape ça. Vous doutez qu'il y en avait un là. Prends des munitions, Daniel. Quoi, on y va? Il faut plus de munitions, chef. Ouais. Personne ici. Moi je veux que lui il réapparaît là. Que je le bousille. Là je vois personne à part même là-haut il est pas encore là. Ah si, il est mort. Oh. Trop de monde là-dedans. Pile sur le casque. Je le vois pas trop là. Voilà, je l'ai eu. Au secours. Lancer de fumigène. J'ai des munitions pour toi, soldat. Allez, on cherche. Au moins, on meurt pas là, les gars, on meurt pas. Chef. Allez, en bas. Ah, encore un là-haut. Oh. Bon, c'est bientôt fini ça ou quoi? J'ai mort de tuer des gens.
Allez, 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 je suis concentré les gars, j'ai plus envie de mourir. Là, je suis bon, hein, je meurs pas, hein, mais je sais pas, elle avance pas la mission. Aïe. Ah oui, il y avait une grenade là, mais je sais pas, c'est long. Je sais pas ce qu'ils attendent. Je sais, chef. Attention, Daniel. Je sais pas ce qu'ils attendent. Donc il va falloir que j'avance, hein. Faut tirer, je sais même pas d'où. Donc il va falloir que j'avance, hein. Je peux pas attendre là. Si j'attends là, je vais jamais avancer. Bah ouais, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, chef? Il me faut des munitions, chef! Je te montre, soldat! Bien, mais faut trouver un endroit où passer, les gars. Ouais, je vais par où, moi? Je vais mourir. Oh là, on va exploser, ça. Bon, je comprends pas trop la mission là, j'avance pas. Ah ouais, je comprends pas trop. Je vais faire une coupure à mon avis. Parce que j'arrive pas à comprendre trop la mission. À part tuer des gens et attendre. J'ai besoin de munitions, lieutenant. Je vais essayer de passer par là. Hein. Changer de côté pour voir. Quitte son abri. L'ennemi fait mouvement. Oh là là, je peux pas avancer. Où la porte ici? Personne. Faut essayer d'avancer les gars, parce que je peux pas attendre là indéfiniment. Ça va être chaud les gars. Qu'on avance, faut qu'on avance. Merde, trop tard. Voilà. Oh, j'en ai deux en même temps. On se calme les gars, on se calme. On se calme, on se calme. Continuez, nettoyez toute la zone. Oui, il est là. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Voilà, il suffisait de faire ça, quoi. J'arrive, chef. Wow. Meilleur que toi, snipe. Mets-toi pas devant moi. Toi, tu te mets devant moi.
Il en manque un, là. Encore se battre. Pas avoir une grenade, là, quelque part. Comment on fait pour monter les joueurs? Par là. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, moi. Je peux pas prendre ça. Le mettre là-bas. Démonter. Allez. Oh là, tu m'as mis. Pour ça, j'ai eu une balle dans la tête. Oh, il y en a là-bas. Double balle. Allez, bat en retraite, c'est bon. Oh, je voulais l'avoir à la fin. Oh, bah, je vous fais pas de coupure, hein. Ça va, j'ai trouvé tout de suite ce qu'il fallait faire. Pas tout de suite, c'est pas vraiment tout de suite. Et c'est ce qu'on va faire. Sans votre respect, chef. Et si Styles avait raison et que personne n'était devant? C'est à moi de m'en soucier, Daniels. Mes tripes me disent que quelque chose cloche. Si je basais mes décisions sur tes tripes, soldat, on serait encore sur la barge en Normandie. Exactement. Tu sais que la section de Pearson a été anéantie à Catherine? On dirait que l'histoire se répète. J'espère pas. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Ah. Bah, j'ai pas les couilles de demander à Turner. Mais j'en connais un qui les a. Notre mission consiste à éliminer l'artillerie allemande ensemble. Mais si Pearson voit une opportunité, il la saisira, au détriment de l'escouade. La tension monte de plus en plus entre Turner et Pearson. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Voilà. C'est la fin de la mission. Elle a duré 50 minutes à peu près. C'est normal. Je suis pas un pro. Je découvre en même temps que vous. Donc c'est surprenant. C'est des missions assez compliquées. Et perso, moi j'adore. J'adore. Et je continuerai à adorer. Donc moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous.